que je sais, je ferai des exploits. Ah, des exploits. Avec Dieu. Oui, avec Dieu. Je ferai des exploits. Avec le Saint-Esprit. Avec je suis avec le Saint-Esprit. Je ferai des étoiles. Je ferai. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, famille TPS, soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Gloire à Dieu. Faites-moi signe si le son il est bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit et dites un shalom à la personne qui est connectée à côté de vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, le son il est bon. Alors s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez, invitez quelqu'un à se connecter, invitez quelqu'un à se connecter, à être là avec nous. Gloire à Dieu. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, soyez en sycomore. Alléluia, ok, 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 là je reçois. Le son il est bas. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort, parce que là, je suis à fond déjà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous allons prier le Seigneur et nous commençons notre session de ce soir. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci Seigneur de nous faire encore du bien parce que tu nous attires dans ta présence ce soir. Nous te prions de nous faire du bien, nous te prions Seigneur de nous visiter encore par le Saint-Esprit, nous te prions Seigneur d'agréer encore notre prière de ce soir, nous te prions Père de faire encore ton œuvre dans la vie de chaque personne dans le nom puissant de Jésus. Que ce temps soit pour ta seule gloire et que Seigneur tu puisses encore déverser l'onction de la délivrance, l'onction de la libération, l'onction Seigneur de la guérison, l'onction de la faveur ce soir dans la vie de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alors, soyez bénis, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Si vous êtes fatigués, allez vous laver le visage pour ne pas dormir. Si vous voyez que vous avez sommeil, lavez votre visage
Voilà, pour que vous puissiez avoir un peu plus de force. Mais en tout cas, que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de suivre cette prière du début jusqu'à la fin. Et que tout esprit de sommeil vous quitte maintenant au nom de Jésus. Faites la prière avec sérieux. Faites la prière avec foi, avec un esprit de foi. Faites la prière avec détermination. Faites la prière avec autorité, l'autorité du nom de Jésus. Faites la prière avec confiance. Amen. Surtout la foi, surtout la foi. Croyez que ce que vous allez demander au Seigneur ce soir, il va le faire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons prier. Nous allons faire la prière de délivrance encore ce soir. La prière de délivrance par le feu. La délivrance par le feu. Nous allons encore engager le feu de Dieu ce soir. Nous allons encore engager une intercession intense ce soir pour que le Seigneur puisse encore se manifester dans les vies, dans les familles, dans les maisons, dans les couples et que l'onction de la délivrance puisse descendre dans votre maison et vous localiser ce soir. Que cette onction vous localise ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 54 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume 54. Nous lisons la parole dans le psaume 54 à partir du verset 1 à 7. Gloire à Dieu, je commence par la partie B. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. David est en train de prier Dieu. David est en train de supplier Dieu. David dit que, au verset 3, « Car des étrangers se sont levés contre moi. » Car des étrangers se sont levés contre moi. Bien aimé, il y a plusieurs sources de combat dans la vie d'une personne. Il y a plusieurs sources de combat. Il y a des combats qui viennent par notre propre faute, c'est-à-dire nous-mêmes on a ouvert la porte, alors le combat vient. Il y a des combats qui viennent par des étrangers, des gens que tu ne connais pas. Il y a des combats qui viennent par des personnes que nous connaissons, mais nous ignorons que c'est eux qui sont à la base de notre problème, c'est eux qui sont à la base de notre combat. Il y a des combats qui viennent à cause de la sorcellerie familiale. Il y a des combats qui viennent à cause de la sorcellerie de la belle famille. Il y a des combats qui viennent à cause, bien-aimé, à cause des ancêtres, il y a des combats qui viennent, à cause des amis. Les combats peuvent venir de partout. David dit, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Des hommes violents en veulent à ma vie. Bien-aimé, les hommes violents existent sur la terre. Les hommes violents sont toutes ces personnes qui engagent des esprits des ténèbres pour combattre la vie d'une personne. Les hommes violents sont toutes ces personnes qui vont dans le monde spirituel attaquer la vie d'une personne. Les hommes violents sont toutes ces personnes qui utilisent des fétiches pour atteindre la vie d'une personne. Les hommes violents sont toutes ces personnes bien-aimées qui vont solliciter les esprits des ténèbres pour faire souffrir une personne gratuitement ou par jalousie, faire souffrir une personne juste par la colère, par la haine, pour pas que tu puisses réussir tout simplement. Ça, c'est les hommes violents. Et les hommes violents, on en trouve partout. Vous pouvez en trouver dans votre famille. Vous pouvez en trouver parmi vos amis. Vous pouvez en trouver autour de votre voisinage. Alléluia. Parmi vos voisins. Vous pouvez en trouver dans votre travail. Les hommes violents sont partout.
Les hommes violents sont partout. Et David dit, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Oui, bien-aimé, ces personnes ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Ces personnes ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Ces personnes qui dans les ténèbres, passent leur temps à maudire les autres. Ces personnes qui vous maudissent, ces personnes qui combattent votre vie dans les rêves, ces personnes qui combattent votre vie pour pas que vous puissiez réussir, juste par jalousie, juste par colère, juste par peur que vous puissiez les dépasser. Ces personnes ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Mais le verset 4, David dit, « Voici Dieu est mon secours. » Bien-aimé, l'Éternel est en secours. Le Seigneur Jésus est en secours. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Tu dois croire que dans tous les combats que tu peux traverser, le Seigneur est le soutien de ton âme. C'est lui qui soutient ton âme. C'est lui qui soutient ta vie. C'est lui qui soutient ta maison. C'est lui qui soutient ta santé. Et au verset 5, David fait une déclaration puissante puisqu'il dit « Le mal retombera sur mes adversaires. » Le mal retombera sur mes adversaires. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, le mal retombera sur tes adversaires dans le nom de Jésus. Le mal retombera sur tous ceux qui se dressent contre toi au nom puissant de Jésus. Le mal retombera sur toutes ces personnes qui se dressent contre ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ces personnes qui se dressent contre ta santé. Le mal retombera sur mes adversaires. C'est pour cela que tu dois avoir le langage de David. Tu dois parler comme David. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas dire pourquoi toujours moi. Tu ne dois pas dire pourquoi c'est toujours moi qu'on combat. Tu ne dois pas dire pourquoi encore la même chose. Tu dois tenir un langage de guerrier, un langage des personnes qui sont des héros et des héroïnes, un langage des personnes qui ont la foi, un langage des personnes qui relèvent la tête pour dire le mal retombera sur mes adversaires. Alléluia, est-ce que tu peux l'écrire? Le mal retombera sur mes adversaires au nom de Jésus. Le mal retombera sur mes adversaires. Le mal retombera sur mes adversaires. David était sûr parce que Dieu était de son côté. Il était sûr, il était certain. Alléluia, il était certain que le mal allait retomber sur ses adversaires. Et il dit, anéantis-les dans ta fidélité. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu fidèle. Et la Bible dit que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Si toi tu es fidèle, sache que Dieu dans sa fidélité, il va anéantir tes adversaires. Si toi tu es fidèle, sache que Dieu dans sa fidélité, il va combattre tous ceux qui combattent ta vie. Si toi tu es fidèle, sache que Dieu dans sa fidélité, il va défendre ta cause. Si toi tu es fidèle, sache que Dieu dans sa fidélité, il viendra défendre ta cause au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit, anéantis-les dans ta fidélité. Plutôt David dit, anéantis-les dans ta fidélité. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. David nous donne l'exemple de quelqu'un qui a l'audace, qui a la détermination dans le combat spirituel. Tu dois être déterminé dans le combat spirituel. Quand le diable vient te combattre dans la nuit, quand la sorcellerie vient te combattre dans la nuit, ils n'ont pas pitié de toi. Il faut savoir qu'ils n'ont pas pitié de toi. La même personne qui mange avec toi la journée, qui est très gentille avec toi, la même personne qui peut t'aider dans la journée, mais si cette personne est dans le monde des ténèbres, quand il se transforme dans le monde des ténèbres, son cœur n'a plus de sentiments. Son cœur n'a plus d'empathie. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'empathie, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a plus rien. Cette personne t'attaque sans regarder. Ça peut être même ta propre mère qui t'attaque. Elle a plus pitié de toi que c'est l'enfant que j'ai porté. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on n'a pas de cœur. Dans ce monde-là, il n'y a pas l'amour. L'amour n'existe pas. C'est pour cela, toi, quand tu te mets maintenant en esprit, quand tu rentres maintenant dans le combat spirituel, tu ne dois pas avoir la pitié. Il ne faut pas avoir pitié. Il faut dire que le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Le mal retombera sur mes adversaires au nom puissant de Jésus. Il y a des gens bien-aimés qui souffrent des maladies sataniques et démoniaques. Il y a des gens qui souffrent des oppressions. Il y a des gens qui souffrent des problèmes de dépression. Il y a des gens qui souffrent des problèmes d'angoisse. Mais tous ces problèmes-là ne viennent pas d'une cause naturelle, mais ça vient d'une cause spirituelle. C'est causé par quelqu'un. C'est causé par une personne. Mais toi, si tu as pitié,
tu risques de te faire écraser. C'est pour cela qu'il faut dire comme David, le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Le mal retombera sur mes adversaires dans le nom de Jésus. Tu dois être déterminé dans le combat spirituel. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous faites un rêve et qu'on vient vous attaquer. On vient vous attaquer dans le rêve. Vous voyez comme un animal. Et quand vous voyez l'animal, vous commencez à taper cet animal avec le marteau. Amen. Vous commencez à tuer cet animal. Bon, je donne l'exemple. Vous voyez une souris. Ok, on prend une souris. Vous voyez la souris dans le rêve et vous voulez tuer cette souris. Vous prenez un marteau, vous suivez la souris, vous commencez à cogner sur la souris et la souris se transforme en une personne que vous connaissez. Et la personne commence à pleurer. La personne commence à pleurer et commence à vous dire « Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu es en train de me frapper? Tu es en train de me frapper ?» C'est pour toucher votre sensibilité. C'est pour que vous puissiez avoir le cœur qui sera touché, pour que vous puissiez être sensible de l'intérieur et que vous ne puissiez pas achever, que vous ne puissiez pas appeler le feu, que vous ne puissiez pas appeler le sang de Jésus. Or, c'est un démon. Ce n'est pas peut-être la personne que vous connaissez, mais c'est un démon qui prend le visage de quelqu'un pour que vous ne puissiez pas réagir. C'est pour cela, le monde spirituel est un monde où il y a beaucoup de manipulation. Un démon peut venir, peut venir se manifester dans votre rêve, mais il prend le visage de quelqu'un que vous aimez beaucoup, pour que vous ne puissiez pas réagir. Mais si vous n'êtes pas éveillé spirituellement, vous allez embrasser cette personne, vous allez peut-être manger avec cette personne dans votre rêve, vous allez peut-être faire des choses avec cette personne, alors que c'est un esprit, alors que c'est un sorcier, alors que c'est un esprit démoniaque. C'est pour cela qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de vous donner l'esprit de discernement, le discernement des esprits. Vous devez être capable de discerner un esprit démoniaque et un esprit de Dieu. Vous devez être capable de discerner, oui, vous devez être capable de discerner même dans votre rêve. Quand vous voyez le visage de quelqu'un que vous connaissez, vous devez être capable de discerner dans votre esprit que ça c'est cette personne que je vois, ou bien c'est un esprit qui s'est déguisé en cette personne, ou encore c'est cette personne mais elle est venue dans une forme démoniaque. Vous devez être capable de discerner. Un enfant de Dieu doit avoir la capacité de discerner. Si vous avez cette capacité de discerner, si vous avez l'esprit de discernement, vous allez éviter beaucoup de dégâts dans votre vie. Alléluia. Si vous avez l'esprit de discernement, vous allez éviter beaucoup de dégâts dans votre vie, que ça soit dans la vie de chaque jour, que ça soit dans le monde spirituel. Alléluia. Vous allez éviter beaucoup de dégâts. Vous ne mangerez pas la nourriture dans les rêves parce que vous allez discerner que cette nourriture est une nourriture qui vient tout droit de l'enfer. Vous allez discerner que ce qu'on est en train de me donner, ce vêtement qu'on me donne dans ce rêve, est un vêtement qui est travaillé dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Grâce à l'esprit de discernement. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, vous devez être animé d'un esprit de détermination dans le combat spirituel. On n'a pas de pitié. Il ne faut pas avoir pitié parce que vous avez vu que c'est le visage de votre sœur. Ah, mais c'est ma sœur. Et la personne commence à pleurer et finalement, vous ne continuez pas à détruire cette souris que vous avez vue au préalable. Si je reviens dans l'exemple du rêve que je voulais donner, vous ne tuez plus la souris et vous dites, ah, mais non, mais c'est... Mais c'est finalement, c'est ma sœur. Vous voyez, il faut user de beaucoup de discernement. Alléluia. Un jour, alors que je dormais, il y a 10 ans de cela, je fais un rêve, je vois comme si ma mère, elle vient. Ma mère vient chez moi, je dis, oh maman, tu es venue me voir. Elle me regardait, mais en quelques secondes, j'avais détecté que ce n'était pas ma mère. Alléluia. Dès que j'ai détecté que ce n'était pas ma mère, cette chose s'est transformée en démon. Et j'ai vu la personne qui était venue sur le visage de ma mère. Sous le visage, sous couvert du visage de ma mère. Est-ce que vous voyez? Il faut savoir que dans le songe, dès que vous détectez un esprit, il se transforme. Vous avez déjà remarqué ça? Dès que vous détectez dans votre songe, vous êtes en train de dormir, vous voyez une forme, vous voyez un animal, vous voyez une personne, vous voyez n'importe quoi, que ce soit un objet. Dès que vous discernez seulement dans votre esprit que ça, c'est pas vrai, ça c'est un démon. Automatiquement, dès qu'il est détecté, dès qu'il est dévoilé, cette chose va se transformer en démon. Ça se passe toujours comme ça. Cette chose va se transformer en démon. C'est pour cela qu'il est important d'avoir l'esprit de discernement des esprits. Il faut avoir cet esprit de discernement. Il faut avoir le don de discernement des esprits. Il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Vous allez éviter beaucoup de dégâts dans votre vie.
Vous allez éviter beaucoup de dégâts, même dans vos relations, dans vos amitiés. Vous saurez choisir vos amis, vous saurez choisir vos maris, vous saurez choisir vos femmes. Vous allez éviter des dégâts dans vos mariages, parce que si vous avez le discernement, alors vous n'allez pas épouser n'importe qui. Avec le discernement, on saura que cette femme, on peut l'épouser, on ne peut pas l'épouser. Cet homme, je peux l'épouser ou je ne peux pas l'épouser. Grâce à quoi? Grâce au discernement des esprits. Le discernement va déjà te montrer que ça, faut pas aller avec cette personne. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, malgré que, avec le peu de discernement, ils voient déjà que non, cette personne, on ne peut pas vivre ensemble. Ils se marient quand même. Alléluia. Il y a des personnes, déjà dans les fiançailles, ils sentent déjà que la manière dont c'est en train de partir entre nous deux là, ça ne va pas. Vous sentez que ce n'est pas vraiment la bonne personne. On n'est pas encore marié, c'est déjà comme ça. On n'est pas encore marié, c'est déjà... Vous voyez déjà les signes que cette personne va vous faire la misère. Cette personne va vous causer beaucoup de tort. Vous le voyez déjà. La personne ment déjà. Vous êtes seulement fiancé. La femme ment déjà ou l'homme est déjà en train de mentir. La personne use déjà de mensonges. La personne se fâche. La personne manifeste beaucoup d'incompréhension. Mais bizarrement, vous vous mariez quand même. Et quand vous mariez, c'est pire. Parce que dans les fiançailles, c'est déjà les prémices en fait. Vous voyez déjà les petits rudiments. Vous voyez déjà des petits signes. Mais vous allez quand même au mariage. Quand vous rentrez dans le mariage, c'est le pire qui va maintenant se manifester. Une personne qui est violente dans le mariage, il est déjà un peu dans les fiançailles. On voit déjà une petite violence. Ça se manifeste, mais il le cache parce que dans les fiançailles, quelqu'un est caché. Dans les fiançailles, il ne montre pas toute sa personnalité parce qu'il ne vous a pas encore eu totalement. La femme va se cacher, elle ne va pas vraiment montrer son comportement. Mais après le mariage, c'est là où il y a le dévoilement total. Mais si vous n'avez pas de discernement, il faut discerner, même avec des petits signes, savoir que ça, ce n'est pas une bonne amie. Ça, ce n'est pas un bon ami. Cette personne n'est pas une bonne personne à côté de moi. Il y a des personnes que vous devez enlever autour de vous. Il y a des gens, vous marchez avec eux, vous n'évoluez pas. Il y a des personnes, vous marchez avec eux, vous n'évoluez pas. Parce que c'est des personnes qui sont violentes. C'est des personnes qui ont de la violence. Ils font partie de ces personnes que David est en train de dire, des hommes violents en veulent à ma vie. C'est des gens violents. Il ne faut pas les avoir autour de vous parce qu'ils ne vont pas vous apporter quelque chose de bien. Ils ne vont pas vous faire avancer. Ils ne vont pas vous apporter le bien. Mais le Saint-Esprit parle, mais avec le peu de discernement, même avec un petit signe, deux petits signes, on a du mal à discerner. Il faut demander au Saint-Esprit de vous donner le discernement pour que vous puissiez discerner les gens autour de vous, pour que vous puissiez discerner quand vous dormez, que vous puissiez discerner les choses. Alléluia, discerner. Des fois même, je reviens dans les fiançailles, je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu es fiancé là où tu te trouves. Dans les fiançailles, vous voyez la personne est bien, mais dans les rêves, vous voyez autre chose. Quand vous dormez, le Saint-Esprit vous montre que cette personne va vous causer des problèmes. Le Saint-Esprit vous montre que cette personne, ça ne marchera pas avec vous. Le Saint-Esprit vous montre que cette personne est en train de vous battre, mais la personne n'a même pas levé la main sur vous. Mais dans le songe, vous voyez qu'elle est en train de vous battre comme pas possible. Ça annonce ce qui va arriver dans votre mariage. Mais parce que vous avez les sentiments, parce que vous dites, oh, ce n'est qu'un rêve, c'est rien de méchant, ce n'est qu'un rêve. À cause du manque de discernement, beaucoup de personnes sont dans des dégâts pas possibles. C'est pour cela, bien-aimé, il faut faire attention, demander le discernement. J'insiste, demander au Saint-Esprit de vous donner le discernement des esprits. Alléluia. Quand on demande au Saint-Esprit, il nous accorde. Demandez le don au Saint-Esprit, le don de discernement. Donne-moi le discernement, ouvre-moi le discernement, afin que je ne fasse pas des erreurs. On a besoin de discernement dans tout ce que nous faisons. Vous aurez besoin de discernement. Un chrétien a besoin de discernement dans toutes choses pour que vous puissiez avoir une vie bénie, une vie remplie de bénédictions, une vie remplie de succès. Parce que quand on a le discernement, on aura du succès. Alléluia, le discernement. C'est pour cela, il ne faut pas être trop sentimental. Dans le rêve, quand tu vois que c'est le visage de quelqu'un que tu connais, continue toujours à envoyer le feu parce que cet esprit-là doit être détruit. Si tu tombes dans le sentiment que c'est quelqu'un que je connais, non mais, oh c'est toi, et tu commences à parler avec la personne et cet esprit disparaît, finalement tu n'es pas parti au bout en fait de cette destruction que tu es en train de faire. Tu ne pars pas au bout
de ce combat spirituel qui a commencé dans ton songe. Tu ne pars pas au bout. Tu laisses l'esprit disparaître comme ça. Tu te réveilles même des fois. Tu t'es réveillé finalement. Tu n'as pas eu le temps ni d'envoyer le feu, ni d'envoyer le sang de Jésus. Quand tu es dans le rêve et que tu vois un esprit méchant, tu dois prier, invoquer le sang de Jésus, invoquer le feu, invoquer le nom de Jésus jusqu'à ce que cet esprit ou va disparaître, disparaître par ta prière, amen, ou encore devenir tout petit parce que des fois, quand vous, dans le rêve, dans le songe, quand vous prenez autorité, l'esprit devient tout petit, commence à devenir petit, 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 petit. Cet esprit des ténèbres va commencer, même s'il était grand comme un, même s'il était grand comme un palmier. Quand vous engagez le nom de Jésus, vous commencez à dire le nom au nom de Jésus, j'envoie le feu contre toi, il commence maintenant à fondre. Des fois, il fonde. Vous allez voir l'esprit en train de fondre, de fondre, de fondre, jusqu'à ce qu'il va disparaître, ou encore à devenir petit, 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 jusqu'à ce qu'il va disparaître, ou encore il va disparaître directement, mais vous l'avez détruit avec le nom de Jésus. Mais si vous ne faites rien, vous commencez au nom de Jésus, vous voyez la, vous commencez au nom de Jésus, et vous voyez le visage de quelqu'un que vous connaissez. Finalement, vous arrêtez la prière, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé cet esprit s'échapper. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Il faut le détruire au nom de Jésus. C'est pour cela que David dit, le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Et que Dieu puisse anéantir tout adversaire dans ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu puisse anéantir tous tes ennemis au nom puissant de Jésus. Et que Dieu ce soir puisse anéantir tout ce qui est des ténèbres qui dérange ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne négocie pas avec un démon, on ne négocie pas avec un sorcier, on ne négocie pas avec les esprits des ténèbres parce que eux, ils ne vont pas avoir pitié de toi. Alors, il faut les détruire dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous voulons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons intercéder ce soir. Nous allons engager le feu de Dieu. Alléluia. Pour une délivrance encore dans nos maisons. Une délivrance encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons détruire tout pouvoir de sorcellerie qui agit dans nos vies, tout pouvoir de la sorcellerie qui agit peut-être dans ta maison, qui agit dans ta famille, qui agit autour de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce soir et tu vas dire, oh Père, je te bénis ce soir. Je te bénis, Père, car tu me donnes la force. Tu me donnes la force d'être dans la prière ce soir. Je te bénis et je te célèbre, Père, car tu me donnes la force d'être dans la prière ce soir pour briser tout mauvais pouvoir qui cherche à contrôler ma vie, pour briser tout ce qui est des ténèbres qui cherche à briser ma vie, pour briser tout esprit de sorcellerie qui est assigné contre ma vie dans le nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Célèbre le Seigneur ce soir, bénis ton Dieu ce soir de te donner la force, de t'avoir donné la force d'être dans la prière. Bien-aimé, c'est une grâce d'être dans la prière. Beaucoup de personnes voulaient être dans la prière ce soir, mais ces personnes n'ont pas eu la force de rentrer dans la prière. Ces personnes se sont endormies. Ces personnes ont été attirées, sont parties plutôt dans d'autres occupations. Ces personnes ont été empêchées de rentrer dans ce temps de prière. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être connecté dans ce temps de prière. Dieu t'a permis d'être là. Dieu t'a permis d'être à ses pieds. Dieu t'a sélectionné ce soir afin que tu fasses partie de ceux qui sont devant son trône ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci car c'est une grâce. Alléluia. Tendre Père de gloire, je te dis merci encore ce soir. Merci pour ta grâce. Merci Père de m'avoir donné la force d'être encore dans la prière ce soir. Merci Père de m'avoir donné la force d'être connecté ce soir dans ta présence. Oh, je te bénis, je te loue. Je te glorifie mon Père. Merci car c'est toi qui m'as attiré. Merci car c'est toi qui m'as donné la force d'être encore là afin de te célébrer, afin de te louer, afin d'être dans ta présence, afin d'appeler encore le nom de Jésus et de détruire tout ce qui est des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis mon Père, je te loue, merci Père, car tu me donnes la capacité, tu me donnes la force dans la prière pour briser tout ce qui est des ténèbres. Merci Père, car tu me donnes la force dans la prière pour détruire tout ce qui est des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Père pour ce temps,
Merci pour ce temps. Merci car c'est toi, Père, qui as disposé ce temps pour moi. Merci, Père, car c'est toi, toi qui contrôles les temps et les circonstances. Tu as permis et tu as prévu, Seigneur, que je sois connecté dans ta présence cette nuit. C'est pour cela que je te célèbre, je te loue, je te glorifie et je te dis merci de tout cœur. Merci, Père, car ton amour est grand pour moi. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas encore remercier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie encore ce soir. Merci pour le salut de mon âme, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Tu vas dire merci au Seigneur pour le salut de ton âme. Et toi-même, tu vas développer cela parce que tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Toi-même, tu sais ce que tu vis avec le Seigneur. Tu vas lui dire merci pour le salut de ton âme. Tu vas développer. Tu vas lui dire merci pour la vie éternelle. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour sa parole. Merci pour le Saint-Esprit. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui merci. Merci. La plus grande chose que le Seigneur a fait pour toi, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Le salut de ton âme, c'est la vie éternelle. Le salut de ton âme, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction. Cette bénédiction qui ne termine pas. Cette bénédiction qui ne finit pas. Cette bénédiction qui commence maintenant et qui va jusque dans la vie éternelle. Commence à lui dire merci. Ô Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur de nous avoir attirés à toi. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Cela ne vient pas de nous Seigneur, mais cela vient de toi. Cela ne vient pas Seigneur de notre vouloir, mais cela vient de ton choix. Car c'est toi qui nous as attirés à toi. C'est toi qui nous as pointé du doigt. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu es venu nous chercher dans le péché où nous étions. Tu es venu nous chercher dans la boue du péché. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu n'as pas regardé à notre vie. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au mal que nous avions fait. Mais ton amour est venu nous chercher afin de nous laver, de nous purifier par ton sang pour que nous puissions être tes enfants. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour ta lumière qui environne ma vie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui façonne ma vie. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, car je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur, car tu m'as donné une nouvelle identité. Merci, Seigneur, car tu as changé mon nom. Merci, Seigneur, car tu as changé ma vie. Moi qui autrefois j'étais dans les ténèbres, maintenant je marche dans la lumière. C'est pour cela que je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le salut de mon âme, merci parce que je suis appelé enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Seigneur, ceux qui sont avec moi, ceux qui vivent avec moi, savent que je suis enfant de Dieu maintenant. Même les entités spirituelles savent que je suis enfant de Dieu, même le monde des ténèbres sait que je suis enfant de Dieu. Tout cela c'est par ta grâce, c'est pour cela que je te bénis, car c'est toi qui as changé mon identité, c'est toi qui as changé ma vie, c'est toi qui as fait de moi un enfant de Dieu. Tu as enlevé tout ce qui n'était pas de toi. Tu as changé ma personnalité. Tu as changé mon caractère. Tu as changé mon langage. Tu as changé mon cœur. Tu as changé toutes choses afin que, Seigneur, je puisse te servir. Je te bénis. Je te loue. Je te glorifie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ma vie. Merci pour le salut de mon âme. Je te bénis. Je te loue. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais cette prière, oh, où tu dis merci Seigneur pour le salut de mon âme, fais-le de tout ton cœur, fais-le avec un cœur rempli de gratitude, fais-le avec un cœur rempli de reconnaissance, fais-le avec un cœur rempli de joie, fais-le avec un cœur rempli de gratitude, car tu sais que c'est Dieu qui est venu te chercher dans la boue du péché là où tu étais. Tu sais que c'est Dieu qui t'a aimé le premier, ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier, mais c'est lui qui est venu te chercher. Parmi 10 000, parmi des millions de personnes, tu as été choisi pour être appelé enfant de Dieu. Parmi des milliers de personnes, tu as été choisi. Oh, tu fais partie de ceux qui sont sélectionnés. Tu fais partie de ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. Tu fais partie de ceux qui ont reçu la grâce. Quand tu pries pour dire merci, fais-le de tout ton cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous voulons encore prier. Depuis le matin jusqu'à maintenant, nous avons eu à parler, nous avons eu à rencontrer des personnes, nous avons eu à réagir à des situations,
nous avons fait beaucoup de choses, tellement de choses. Mais dans ces tellement de choses, dans toutes ces choses que nous avons faites, bien-aimés, il y a le péché aussi qui est venu. Assurément, tu as péché avec tes paroles. Assurément, nous avons péché avec notre bouche. Assurément, nous avons péché avec nos regards, notre audition, ce que nous avons écouté, ce que nous avons regardé, ce que nous avons dit, ce que nous avons touché. C'est pour cela que nous voulons encore nous repentir devant Dieu. Nous voulons encore nous humilier devant lui pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon pour tous tes péchés. Alléluia. Tu vas lui dire encore, Seigneur, pardonne mes péchés ce soir. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes choses que j'ai faites durant cette journée et qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Car je veux que ma prière puisse monter devant ton trône. Je te demande sincèrement pardon. Je te demande pardon. Je me répands de mes péchés. Commence à demander pardon, Seigneur. Commence à demander pardon, Seigneur. Oh, la Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, que tu ne te prives pas de la gloire de Dieu. Que tu ne te prives pas de la gloire de Dieu ce soir. C'est pour cela que tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Alléluia. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je viens à toi encore. Je viens à toi encore ce soir. Te demander pardon. Te demander pardon. Pardonne-moi les péchés, Seigneur. Pardonne-moi les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi tout péché que j'ai commis en cette journée. Pardonne-moi tout péché, Seigneur, que je commets et qui ouvre la porte à l'ennemi dans ma vie. Pardonne-moi tout péché que je commets et qui empêche ta main d'agir dans ma maison. Je viens te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi tout péché, Seigneur, que je commets et que j'ignore. Pardonne-moi tout péché que je commets, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Si tu me laisses, à qui irai-je encore? Si tu m'abandonnes, à qui irai-je encore? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que je viens devant toi ce soir. Te demander pardon. Te demander pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne toute pratique que je peux faire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je te demande pardon. Je reconnais que, Seigneur, le péché emmène à l'enfer. La Bible déclare, oh, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Seigneur, je reconnais que le péché emmène la mort. C'est pour cela que je te demande pardon. Car je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne les péchés de ma maison. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne les péchés de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi tout péché que je commets et qui n'est pas à la hauteur de cet enfant de Dieu que je suis. Pardonne-moi tout péché que je commets, Seigneur, et qui fait même fermer les yeux aux anges. Quand les anges me voient, ils ferment les yeux. Tellement je suis dans le péché. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi tout péché, Seigneur, qui peut même étonner les anges. Car il y a des péchés qui étonnent même les anges. Parce que nous écoutons la parole. Parce que j'écoute la parole. Parce que j'ai la Bible dans mes mains. Parce que j'ai la Bible dans ma maison. Mais je commets quand même ce péché. Et les anges sont étonnés de voir comment je marche dans le péché. Alors que la parole, je l'écoute matin, midi, soir. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je refuse d'être la honte du royaume. Je refuse d'être la honte du royaume. Bien-aimé, dis au Seigneur, Seigneur, je refuse d'être la honte du royaume. Je refuse de faire honte au royaume. Alors que je suis en train de prier, bien-aimé, j'entends dans mon esprit, il y a des fois les anges ferment les yeux. Quand tu pèches, quand on pêche, alléluia, les anges ferment les yeux parce qu'ils sont étonnés que tu puisses pécher. Il y a des péchés qui étonnent les anges. Il y a des péchés qui étonnent les anges. Parce que toi, tu écoutes la parole, comment tu peux pécher? Parce que toi, tu écoutes la parole, comment tu peux aller pratiquer ce péché? Parce que toi, tu écoutes la parole, tu as la Bible dans tes bras, tu l'ouvres matin, midi, soir. Des fois même, tu lis ce verset, malgré que tu as lu le verset qui t'avertit, tu commets quand même ce péché. Et les anges sont étonnés. Ce que je vous dis, c'est ce que je reçois. Ce que je vous dis, c'est ce que je reçois en esprit. Alléluia. Demande pardon, Seigneur. Ce que je vous dis, c'est ce que je reçois en esprit. Les anges ferment les yeux. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit, n'oubliez pas que, ne savez-vous pas que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins? Ne savez-vous pas que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins? Il y a des témoins qui nous environnent, des témoins invisibles, des témoins spirituels, qui regardent ta vie, qui regardent comment tu marches, qui regardent ce que tu fais, qui te regardent comment tu agis devant une certaine situation, qui regardent comment tu réagis
devant une certaine situation. Ne savez-vous pas que nous sommes entourés d'une multitude de témoins? Bien-aimés, ces témoins sont spirituels. Ces témoins sont invisibles, mais ils sont là. Ils nous entourent et ils nous regardent. Ils nous regardent comment nous marchons devant Dieu. C'est pour cela que je dis, il y a des choses que nous commettons. Les anges ferment les yeux. Ils ne peuvent pas regarder ça. Ils ne peuvent pas regarder ça parce qu'ils se disent, non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas regarder ça. C'est pour cela, dit Seigneur, je refuse d'être la honte du royaume. Je refuse de faire la honte du royaume. Je refuse de faire tomber le drapeau du royaume parce que je suis un enfant du royaume. Oui, bien-aimé, tu es un citoyen céleste. Tu es un enfant du royaume. Tu ne dois pas faire tomber le drapeau du royaume. Ta vie ne doit pas faire honte. Ta vie ne doit pas faire honte au royaume. Je refuse d'être la honte du royaume dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce. 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 Bien-aimé, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Il est réel comme tu vois le monde visible. Le monde spirituel est réel. Et dans le monde spirituel, il y a des êtres, il y a des anges, il y a des anges, il y a des démons, il y a toutes sortes d'esprits. Dans le monde spirituel, ils voient ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe. Et l'ange qui est assigné à ta vie, l'ange qui doit accompagner ta vie, j'aimerais te dire que cet ange est affaibli à cause du péché. Quand tu pèches, cet ange est affaibli, il ne peut rien faire. Le péché affaiblit les anges qui doivent travailler pour toi. Le péché affaiblit l'ange qui est envoyé pour faire ministère pour toi. Mais parce que tu pèches, il ne peut plus faire sa mission. Le péché bloque les anges. C'est pour cela qu'il faut refuser le péché. Il faut refuser. Quand tu vois que ton esprit veut aller dans le péché, commence à penser, mais l'ange qui m'accompagne, j'ai un ange qui m'accompagne avec moi. En plus de cela, il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta maison. Donne gloire à Dieu en abandonnant le péché. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je te donne la gloire. Mais il faut donner la gloire à Dieu en abandonnant le péché. Il faut donner la gloire à Dieu en abandonnant les mauvaises voies. Il faut donner la gloire à Dieu en abandonnant les voies des ténèbres. Il faut donner la gloire à Dieu en quittant la vie de péché. Il faut donner la gloire à Dieu en quittant la vie de péché. Le jour où Achan avait péché et qu'il avait pris ce qui était voué à l'interdit, Josué lui a dit, Achan, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Dis la vérité. Rends gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas chanter seulement. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas dire seulement avec ses paroles, mais rendre gloire à Dieu, c'est s'éloigner du péché. C'est abandonner le péché. C'est quitter la vie de péché. C'est décider de passer à la croix de Jésus, d'être crucifié et de laisser d'abandonner la vie de péché. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit qui parle. Seigneur, merci pour ton esprit. Pour ton esprit, Seigneur, qui recadre encore. Qui recadre encore la vie de quelqu'un. Merci pour ta parole qui nous a encore fait du bien. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore prier le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Nous sommes dans la délivrance par le feu. La prière de délivrance par le feu. Tu vas encore prier. Tu vas appeler le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, alléluia. Oh, très cher Saint-Esprit, remplis encore ma vie. Très cher Saint-Esprit, remplis encore ma vie. Remplis ma vie de toi. Remplis ma vie de ta puissance. Remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Occupe ma vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse remplir ta vie avec son feu. Saint-Esprit, remplis ma vie avec ton feu. Remplis ma vie avec le feu de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Remplis ma vie avec le feu de délivrance. Remplis ma maison avec le feu de délivrance. Remplis-moi avec le feu de délivrance. Que le Saint-Esprit puisse te remplir maintenant avec le feu de délivrance. Qu'il puisse te remplir avec le feu. Que tu sois rempli du feu de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois rempli du feu de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant avec le feu de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Remplis ma maison avec le feu de la délivrance. Remplis-moi de la tête à la plante de mes pieds. Que je sois rempli, chargé du feu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, alors que tu demandes au Saint-Esprit de
te remplir avec le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance de l'esprit est en train de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu de la délivrance de l'esprit est en train maintenant de s'occuper de toute chose qui ne glorifie pas Dieu maintenant. Très cher Saint-Esprit, je soupire après toi encore ce soir. Très cher Saint-Esprit, je soupire après toi. Remplis ma vie maintenant de ton feu. Remplis ma vie maintenant de ton feu. De la tête à la plante de mes pieds. Alors que je me tiens à la porte de minuit. Remplis-moi de ton feu maintenant. Remplis-moi de ton feu maintenant. Remplis-moi de ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Je veux être rempli de ton feu. De la tête à la plante de mes pieds. Je veux être rempli de ton feu. Maintenant. 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 Que je sois rempli de ton feu. Que ma maison soit rempli de ton feu, le feu de la délivrance, le feu de la restauration, le feu de la libération, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu de l'épurement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu ce soir, remplis-moi de ton feu cette nuit, et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Que ton feu soit dans ma vie maintenant. Que ton feu remplisse mon corps maintenant. Que ton feu soit dans toutes les parties de mon corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est des ténèbres, là où l'ennemi avait logé dans mon corps, qu'il soit maintenant détruit, qu'il soit maintenant détruit par ton feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis ma maison par ton feu. Remplis ma maison par ton feu. Que ma maison soit remplie de ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toutes les pièces de ma maison soient remplies de ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, oh, que mon cœur soit rempli de ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, que mes pensées soient remplies de ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu, très cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je désire ton feu. Je désire ton feu, je désire ton feu, je désire ton feu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas encore appeler le sang de Jésus. Alléluia, tu vas appeler le sang de Jésus. Ce soir, tu vas appeler le sang de Jésus. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus maintenant. Je bois le sang de Jésus. Je déclare encore, je bois le sang de Jésus pour m'immuniser. Oui, tu dois t'immuniser contre la sorcellerie. Tu dois t'immuniser contre la sorcellerie. Je déclare ce soir que je bois le sang de Jésus pour m'immuniser contre la sorcellerie, pour me protéger contre la sorcellerie. Je bois le sang de Jésus maintenant. Je fais boire le sang de Jésus à mes enfants ce soir. Je fais boire le sang de Jésus à mon époux ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare que je bois le sang de Jésus maintenant pour m'immuniser contre la sorcellerie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, tu dois t'immuniser de la même manière que tu prends le vaccin pour t'immuniser contre un virus, contre une maladie. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens boire maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, afin de m'immuniser contre la sorcellerie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, afin d'être protégé contre les attaques des ténèbres, au nom puissant de Jésus, je fais boire le sang de Jésus à mes enfants maintenant, je fais boire le sang de Jésus à mon époux maintenant, je fais boire le sang de Jésus à tous ceux qui habitent dans ma maison maintenant, afin qu'ils soient protégés, afin qu'ils soient immunisés contre toute attaque des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, bois le sang de Jésus. Par la foi, bois le sang de Jésus, par la foi, afin que le sang de Jésus puisse t'immuniser, puisse te protéger contre toute attaque des ténèbres, contre toute attaque démoniaque et satanique, contre toute attaque de la sorcellerie, que tu sois immunisé au nom de Jésus, que tu sois immunisé au nom de Jésus, et que tu sois immunisé au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois protégé, que tu sois protégé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bois le sang de Jésus. Je déclare que je bois le sang de Jésus afin que je sois couvert maintenant. Au nom puissant de Jésus, je bois le sang de Jésus maintenant afin que je sois sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare maintenant que je bois le sang de Jésus afin d'être immunisé, afin d'être protégé. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus,
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin d'être en sécurité contre les attaques des ténèbres. Je bois le sang de Jésus maintenant, je bois le sang de Jésus maintenant. Mes enfants boivent le sang de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que je suis immunisé contre les maladies, contre les attaques des ténèbres, contre les plans de l'ennemi contre moi, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pour cela que tu vas prier. Nous voulons encore invoquer le sang de Jésus. Nous voulons encore appeler le sang de Jésus. De la même manière, bien-aimé, qu'on prend les fumigènes pour mettre la fumée partout. Alléluia. Quand on appuie un fumigène, la fumée se répand partout. C'est pour cela que tu vas dire avec moi ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je fumigène ma maison avec le sang de Jésus. Alléluia. Je fumigène ma maison. Je fumigène mon environnement. Je fumigène là où je suis avec le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à fumigéner ta maison avec le sang de Jésus. Commence à couvrir ta maison avec le sang de Jésus. Oui, et cette pensée de fumigène, quand on appuie, la fumée se répand partout. La fumée se répand. Commence à dire, je fumigène ma maison avec le sang de Jésus maintenant. Avec le sang de Jésus maintenant. Et que tout ce qui est des ténèbres soit détruit par le feu. Et que tout ce qui est de l'ennemi soit détruit par le feu. Et que les caméras des ténèbres soient détruits, brisés par le feu. Au nom puissant de Jésus. Et que les yeux des ténèbres soient frappés maintenant d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus. Et que tout corps étranger dans ma maison, toute semence étrangère dans ma maison, soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que je fumigène ma maison avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je fumigène ma maison avec le sang de Jésus, 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 dans le nom 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 de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, commence à mettre le fumigène du sang de Jésus dans ta maison. Commence à répandre le fumigène du sang de Jésus dans ta maison, dans ton environnement, au nom puissant de Jésus, partout où tu te trouves, que tu sois à l'hôpital, que tu sois à n'importe quel endroit où tu te trouves, commence à dire, je fumigène le sang de Jésus dans mon environnement maintenant, au nom puissant de Jésus, dans ma maison maintenant, et le sang de Jésus est en train de détruire, est en train d'anéantir, est en train de briser tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus, tout ce qui a été enterré dans ma maison et que j'ignore est maintenant détruit par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus se répand maintenant dans ma maison. Le sang de Jésus inonde maintenant ma maison. Le sang de Jésus immerge maintenant ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, David a dit, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Oh bien-aimé, tu vas prier. Tu vas détruire tout pouvoir de la sorcellerie qui se lève contre toi. Tu vas détruire tout pouvoir de la sorcellerie qui se lève contre toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, toutes les forces obscures qui s'élèvent contre moi, dispersez-vous maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Toutes les forces obscures qui s'élèvent contre moi, dispersez-vous par le feu dans le nom puissant de Jésus. Commence à détruire toutes les forces obscures qui s'élèvent contre toi, qui s'élèvent contre ta destinée, qui s'élèvent contre ta réussite, qui s'élèvent contre ta famille. Que ces forces obscures se dispersent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Se dispersent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Commence à battre les mains au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toutes les forces obscures qui s'élèvent contre moi, dispersez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Dispersez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Dispersez-vous par le feu dans le nom de Jésus. Toutes les forces obscures de la maison de mon Père qui poursuivent ma vie, dispersez-vous maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez détruits maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez détruits par le feu. Soyez détruits par le feu au nom puissant de Jésus. Dispersez-vous par le feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, oh, je déclare ce soir, je déclare cette nuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, toutes les forces obscures qui s'élèvent contre moi, qui s'élèvent contre ma destinée, qui s'élèvent contre ma maison, qui s'élèvent contre mes enfants, qui s'élèvent contre la destinée de mes enfants, dispersez-vous maintenant par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dispersez-vous maintenant par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dispersez-vous maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez détruits, soyez taillés en pièces, soyez réduits en miettes par le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, les forces obscures de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de la maison de ma belle famille, de la maison étrangère, soyez dispersés maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez dispersés par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez réduits en cendres au nom puissant de Jésus. Soyez calcinés dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, alléluia, chaque bataille organisée pour me détruire, chaque bataille, bien aimé, il y a des batailles qui ont été organisées pour te détruire. Il y a des batailles, des scénarios que tu vis, mais ça avait déjà été organisé pour détruire ta vie. Alors tu vas dire, chaque bataille organisée pour me détruire, soyez dispersés et brisés au nom puissant de Jésus. Soyez dispersés par le feu et brisés au nom puissant de Jésus. Soyez dispersés par le feu et brisés au nom puissant de Jésus. Chaque bataille organisé pour me détruire, soyez dispersés, brisés au nom de Jésus. Bien aimé, que chaque bataille qui a été stratégiquement organisée pour détruire ta vie soit maintenant brisée au nom de Jésus. Chaque bataille, chaque combat, chaque circonstance, chaque situation dans ta vie qui a été au préalablement programmée, qui a été préparée d'avance pour détruire ta destinée, pour briser ton cœur, pour briser ta vie, que cela soit dispersé par le feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à détruire les batailles. Bien aimé, des fois tu vois des batailles qui arrivent quand tu finis à une situation, une autre vient. Tu finis une autre situation, une autre vient. Il y a comme quelque chose, une force maléfique, une force malicieuse, une force des ténèbres qui agence toute chose, qui fait que tu es toujours dans le trou, tu es toujours dans le problème. Ah, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que chaque bataille qui a été organisée pour te détruire, chaque bataille qui a été organisée pour détruire ta maison, pour détruire ton foyer, soit détruit par le feu, soit détruit par le feu, soit calciné, soit réduit en cendres dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant ce soir que chaque bataille qui a été organisée pour me détruire soit maintenant dispersée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à cette bataille qui a été organisée pour détruire ma vie, qui a été organisée pour anéantir ma vie, qui a été organisée pour amener des échecs et des blocages dans ma vie. Oh, je déclare que ces batailles soient dispersées, que ces batailles soient brisées par le feu, que ces batailles soient calcinées par le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces batailles soient détruites par le feu au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le diable use des stratégies pour ramener le malheur dans ta vie. Le diable use des stratégies pour ramener le malheur dans ton foyer. C'est pour cela que tu vas dire au nom puissant de Jésus que toute stratégie de l'ennemi, que toute stratégie de l'ennemi contre ma vie, mon foyer, ma santé, soit anéanti par le feu au nom de Jésus. Que toute stratégie de l'ennemi dans ma vie, encore contre mon foyer, contre ma vie, contre ma destinée, soit anéanti dans le nom de Jésus. Je répète encore, que toute stratégie de l'ennemi contre ma vie, contre mon foyer, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes études, contre ma destinée, soit anéanti par le feu dans le nom de Jésus. Commence à détruire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à détruire
au nom puissant de Jésus. Oh, commence à détruire maintenant toute stratégie de l'ennemi contre ta vie. Oh, que toute stratégie de l'ennemi contre mon foyer soit anéantie cette nuit par le feu au nom de Jésus. Que toute stratégie de l'ennemi contre ma vie soit anéantie maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que toute stratégie de l'ennemi contre ma destinée, contre mon futur, contre ma santé, contre la santé de mon enfant soit maintenant anéantie au nom puissant de Jésus. Que toute stratégie de l'ennemi contre mes enfants soit maintenant détruit par le feu au nom de Jésus. Que toute stratégie de l'ennemi contre ma famille soit réduite en cendres dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Que cela soit détruit. Que cela soit réduit en cendres par le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, des fois quand tu marches dans le monde des ténèbres, on peut mettre des pierres contre toi. C'est pour cela que David dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. David dit, il ordonnera à ses anges de te porter dans les bras de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il ordonnera à ses anges de te porter sur des bras afin que ton pied ne heurte une pierre. David a parlé de la pierre. Donc il y a des pierres spirituelles que les gens peuvent heurter. Il y a des pierres invisibles que les gens peuvent heurter. Il y a des pierres des ténèbres que les gens peuvent heurter qui emmènent le désespoir dans leur vie, qui emmènent des problèmes, qui emmènent des situations difficiles. C'est pour cela que l'ange de l'Éternel te porte dans les bras de peur que ton pied ne heurte cette pierre. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, chaque pierre sombre, chaque pierre des ténèbres disposée pour me faire tomber, pour me briser, disposée pour me faire tomber, pour me briser, que cela se disperse maintenant au nom de Jésus, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je répète encore, chaque pierre des ténèbres disposée pour me faire tomber se disperse, se détruit maintenant au nom puissant de Jésus, se disperse par le feu au nom de Jésus. Commence à détruire chaque pierre sombre, la pierre sombre, la pierre des ténèbres, la pierre de la sorcellerie, la pierre qui a été disposée sur ton chemin, qui a été disposée pour te faire tomber, pour te faire chuter, pour te faire chavirer, pour ramener les échecs dans ta vie. Que cette pierre soit maintenant détruite par le feu au nom puissant de Jésus. Que cette pierre soit maintenant détruite au nom de Jésus. Je répète encore pour quelqu'un. Oh, chaque pierre sombre, chaque pierre des ténèbres disposée pour me faire tomber, se disperse maintenant au nom de Jésus. Chaque pierre des ténèbres disposée pour me faire tomber, disposée pour me briser, disposée pour ramener des blocages dans ma vie, se brise maintenant, se disperse maintenant par le feu et détruit maintenant par le feu dans le nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, détruis ces pierres invisibles, détruis ces pierres des ténèbres qu'on place sur ton chemin pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses être bloqué, pour que tu puisses chavirer dans le nom de Jésus. Que chaque pierre qui a été disposée contre toi tombe maintenant au nom de Jésus. Que chaque pierre qui a été disposée contre toi se disperse maintenant au nom de Jésus. Que chaque pierre des ténèbres qui a été disposée contre toi soit détruite maintenant au nom de Jésus. Que chaque pierre qui a été disposée contre toi soit anéantie maintenant au nom de Jésus. Commence à détruire au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. Chaque pierre sombre qui a été disposée pour me faire tomber, chaque pierre des ténèbres, chaque pierre de la sorcellerie qui a été disposée pour me faire tomber, pour me faire chavirer, pour que je sois bloqué, pour ramener des échecs, brisez-vous maintenant. Soyez brisés maintenant par le feu au nom de Jésus. Soyez réduits en cendres par le feu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute pierre de ténèbres, toute pierre d'achoppement qui a été placée sur mon chemin, qui a été placée sur le chemin de ma destinée, oh, soit brisée maintenant par le feu, soit détruite maintenant par le feu, soit dispersée maintenant par le feu. Toute pierre de blocage qui a été placée sur mon chemin, chaque pierre de blocage qui a été placée sur ma destinée, qui a été placée sur mes projets, qui a été placée sur ma vie, dispersez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez dispersés maintenant, soyez réduits en pièces maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Soyez dispersés par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez dispersés
dissous par le feu maintenant au nom de Jésus. Soyez dissous par le feu maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis chaque pierre sombre, chaque pierre des ténèbres, chaque pierre de la sorcellerie qui a été disposée sur ton chemin, qui a été disposée pour te faire tomber, qui a été disposée pour te faire chuter, qui a été disposée pour que tu fasses marche arrière, qui a été disposée pour te décourager. Que ces pierres soient maintenant brûlées par le feu, que ces pierres soient détruites par le feu, afin que tu puisses avancer dans le nom de Jésus, afin que tu puisses avancer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que tu puisses avancer dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, ô mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, bénis ma vie et augmente ma joie. Oui, que le Père puisse bénir ta vie et qu'il puisse augmenter ta joie par le feu. Qu'il puisse augmenter ta joie. Augmente ma joie par le feu dans le nom de Jésus. Mon Père, bénis ma vie, agrandis ma maison. Oui, donne l'accroissement à ma vie, donne la croissance à ma vie. Oh, augmente ma joie dans le nom de Jésus. Augmente ma joie au nom de Jésus. Oui, que le Père puisse augmenter ta joie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il puisse augmenter ta joie, qu'il puisse augmenter ton bonheur, qu'il puisse augmenter, prie avec la foi. Demande au Seigneur, oh, de bénir ta vie. Mon Père, bénis ma vie, bénis ma maison, bénis mon foyer, bénis mes enfants, bénis mes projets et augmente ma joie au nom puissant de Jésus. Augmente ma joie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dis au Seigneur, augmente ma joie, augmente ma joie, augmente ma joie, augmente ma joie. Bénis ma vie, bénis ma maison, bénis ma santé, bénis mes enfants, bénis-moi Seigneur et augmente ma joie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, augmente ma joie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Augmente ma joie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Augmente ma voix, alléluia, augmente ma joie, augmente ma joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. David a dit, le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les. Que le Père puisse anéantir tes adversaires dans sa fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Dieu, oh mon Dieu, lève-toi. Écrase mes ennemis. Lève-toi, mon Dieu. Écrase mes adversaires. Écrase mes ennemis. Et frappe-les. Frappe mes adversaires par ta puissance au nom de Jésus. Frappe mes adversaires par ta puissance. David a dit, le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Tu vas dire, oh Seigneur, oh Dieu, lève-toi, écrase mes ennemis et frappe mes adversaires par ta puissance au nom de Jésus. Lève-toi, mon Dieu, écrase mes ennemis et frappe mes adversaires par ta puissance au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse frapper tes adversaires. Que l'Éternel puisse frapper tes adversaires par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans mon foyer, lève-toi dans ma maison, lève-toi dans ma santé, lève-toi dans ma situation. Lève-toi, mon Dieu, écrase mes ennemis et frappe mes adversaires par ta puissance au nom puissant de Jésus. Et frappe mes adversaires par ta puissance au nom puissant de Jésus. Frappe mes adversaires par ta puissance au nom puissant de Jésus. Frappe mes adversaires par ta puissance au nom puissant de Jésus. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Père, frappe mes adversaires par ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et frappe mes adversaires par ton feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, frappe-les par ta puissance. Bien-aimé, tu vas prier. Alors que nous prions par le feu, tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas dire au Saint-Esprit, construis un mur de feu autour de moi au nom de Jésus. Construis un mur de feu, un mur de feu,
le mur de protection, le mur de guérison, le mur, Seigneur, de préservation autour de moi, autour de ma famille, autour de mes enfants. Demande au Saint-Esprit de construire un mur de feu autour de toi. Oui, le feu qui va te protéger, le feu qui va te garder, le feu qui va te préserver, le feu qui envoie loin tes adversaires, le feu qui donne la frayeur à tes adversaires, le feu de protection. Oui, que le Saint-Esprit construise un mur de feu autour de toi, une muraille de feu autour de toi, dans le nom de Jésus. Dieu dit dans sa parole, je serai tout autour d'elle, une muraille de feu. Je serai tout autour d'elle, autour d'Israël, une muraille de feu. Dieu Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, construis un mur de feu autour de moi, au nom de Jésus. Construis un mur de feu autour de ma maison. Construis un mur de feu autour de mes enfants. Et que nous soyons intouchables. Et que nous soyons, Seigneur, ô Dieu, inaccessibles aux yeux de l'adversaire. Que l'ennemi ne nous touche pas. Que l'ennemi ne nous touche pas. Que l'adversaire ne nous touche pas. Que la maladie ne nous touche pas. Que les envoûtements ne nous touchent pas. Que tout ce qui est des ténèbres ne nous touche pas. Que le malheur ne nous touche pas. Que le malheur ne nous atteigne pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, construis un mur de feu. Un mur de feu autour de moi. Et que je sois intouchable. Que je sois inaccessible. Intouchable aux maris de nuit. Intouchable, Seigneur. Que les maris de nuit ne me touchent pas. Que les femmes de nuit ne me touchent pas. Que les sirènes de jour ne me touchent pas. Au nom puissant de Jésus. Que toute flèche des ténèbres, toutes les flèches de la sorcellerie ne m'atteignent pas. Au nom puissant de Jésus. Car j'ai un mur de feu autour de moi. Construis un mur de feu autour de moi et ma maison. Construis un mur de feu autour de mes projets. Construis un mur de feu autour de mon mariage. Construis un mur de feu autour de mon foyer, afin que tout ce qui est des ténèbres, toute attaque des ténèbres ne nous atteigne pas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je t'en supplie. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de construire un mur de feu. Alors qu'on est en train de prier, j'entends les finances, finances, finances. Que le Saint-Esprit construise un mur de feu autour de tes finances. Et que le diable ne vole plus tes finances. Que le diable ne vole plus ton argent. Que le diable ne vole plus ton argent, au nom de Jésus. Qu'il puisse construire un mur de feu autour de tes finances. Saint-Esprit, construis un mur de feu autour de mes finances. Construis un mur de feu autour de mon compte bancaire, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, construis un mur de feu autour de mon portefeuille. Construis un mur de feu autour de mon compte bancaire, dans le nom de Jésus. Un mur de feu autour de mon portefeuille, un mur de feu autour de mon salaire, au nom de Jésus. Et que l'ennemi ne touche plus à mon argent, et que l'ennemi ne vienne pas voler, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, construis un mur de feu autour de mon mariage, autour de mon foyer, que le diable ne vienne pas diviser, que l'ennemi ne vienne pas détruire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de construire un mur de feu. Un mur de feu autour de toi. Un mur de feu même autour de ce que tu possèdes, des choses que tu possèdes dans ta maison. Parce que le diable, il vient détruire. Des fois, tu es poussé à dépenser de l'argent pour faire des réparations dans ta maison. Parce qu'il y a le chauffage qui ne marche pas. Parce qu'il y a ça qui ne marche pas. Le diable passe aussi par ces choses. Oh, que le Saint-Esprit puisse construire un mur de feu. Un mur de feu, afin que ce qui t'appartient soit intouchable. Que ce qui t'appartient, l'ennemi ne puisse pas voler cela. Au nom de Jésus. Oui, un mur de feu autour de tes pièces d'identité. Que tu ne perdes pas tes pièces d'identité. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Qu'on ne te vole pas ton identité. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit construise un mur de feu autour de toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Que le Saint-Esprit construise un mur de feu autour de toi. Dans le nom de Jésus. Et ma prière ce soir est que le Seigneur te donne la joie. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. David a dit tous les jours. David n'a pas dit un jour sur deux, pas un jour sur trois, pas tous les une semaine. Il a dit tous les jours. Ma prière est que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la muraille de feu, le mur de feu qui est construit autour de toi, puisse te préserver, te garder. Que cela te rende invisible aux yeux des ténèbres. Que tout pouvoir de la sorcellerie ne te touche pas, ne t'atteigne pas, dans le nom puissant de Jésus. Que les flèches des ténèbres ne t'atteignent pas, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te fasse du bien. Que l'Éternel bénisse ta maison et que ton sommeil, cette nuit, soit un sommeil doux,
paisible, léger, que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées, celui qui connaît toutes choses, avant même que la chose n'arrive, avant même que la chose n'existe, celui qui connaît toutes choses, puisse aplanir ta destinée et bénir ta destinée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde la joie, que l'Éternel t'accorde la paix, que l'Éternel t'accorde la victoire, des victoires et des victoires, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne la guérison, là où tu es malade, que tu reçoives la guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la délivrance par le feu, au nom de Jésus. Et que tout esprit qui tourmente ta vie, qui tourmente ton sommeil, qui tourmente ton corps, ta santé, soit maintenant calciné par le feu de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la grâce de vivre une vie de paix, une vie de joie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel élargisse tes cordages, que l'Éternel élargisse tes coudées, que l'Éternel puisse t'accroître de tous côtés, dans le nom de Jésus, et que tu sois béni, que tu sois béni au nord, que tu sois béni au sud, que tu sois béni à l'est, que tu sois béni à l'ouest, que tu sois béni dans le nom puissant de Jésus, et que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu se souvienne de toi, et que l'Éternel des armées, celui qui est fidèle, puisse parler pour toi, que sa fidélité te fasse du bien, que sa fidélité te bénisse, que sa fidélité te touche, que sa fidélité puisse ramener les bonnes choses dans ta vie, que sa fidélité te donne un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es béni, toi qui es connecté. Alléluia, tu es béni, toi qui es connecté. Alors, si vous avez été béni, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur « J'aime la vidéo », « Aimez la vidéo ». Partagez la vidéo, soyez un sycomore pour quelqu'un, soyez un évangéliste pour quelqu'un, avant de partir, laissez un signe. Si vous voulez donner une offrande, donnez aussi une offrande, bien-aimée, parce que le Seigneur a encore exercé sa délivrance dans ta vie ce soir. Le Seigneur t'a encore visité ce soir. Le Seigneur t'a encore fait du bien ce soir. Reconnais l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. Reconnais ce que le Saint-Esprit a fait pour toi. Alléluia. Il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'acclame le Seigneur. Soyez bénis. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir les prochaines notifications de la tour de prière Semeur, que vous puissiez suivre les autres programmes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui dressent leur autel cette nuit et que le Seigneur vous fasse du bien. Bien-aimés, Jésus-Christ n'échoue jamais. Dormez avec cette pensée. Jésus n'échoue jamais, il n'échoue jamais, il n'échouera jamais, il ne connaîtra jamais d'échec, ça n'existe pas chez lui. Alors dans votre vie, il n'aura pas d'échec, dans votre vie, il va manifester sa victoire. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, dans votre vie, il va manifester sa victoire parce qu'il est Dieu. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt, une excellente nuit à vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse énormément du bien, du bien. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir les notifications de la tour de prière Semeur et que l'Éternel Yeshua HaMashiach puisse vous protéger, vous garder par le feu au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À très bientôt. Jésus, au nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père.
tout ce qui est en moi crie Alléluia. Oh, oh, comme dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel désormais. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Je suis éclairée.